Church, I said, praise the Lord. Let's pray together. Father, we thank you for the faithfulness of the people. And thank you, Lord, for the willingness to come and learn. I pray, Lord, everything we learn will be of tribute. Jesus' name we pray. Mark chapter 6 verse 1. And he went out from thence and came into his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach astonished, saying, from whence has this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by signs? As we look at Mark chapter 6 tonight, verses 1 through to 13, the topic is Christ's demonstration and delegation of his mighty ministry. Christ came from heaven to demonstrate a mighty Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur donna pouvoir, il a délégué cette même puissance, cette même force, cette même autorité à ses disciples. La démonstration d'un côté et la délégation de l'autre côté par Christ de son puissant ministère. Verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. La puissance, l'onction, l'autorité ont été délégués aux disciples et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. La démonstration et la délégation par Christ de son puissant ministère. Il y a 3 points à considérer comme nous parcourons ce passage. Premièrement, la réponse étonnante à son ministère incomparable. C'était un ministère différent et plus élevé que le ministère de ceux qui l'avaient devancé. Comprenez clairement qu'il est le Fils de Dieu. Comprenez qu'il est le Messie, comprenez qu'il est le Christ, comprenez qu'il est la puissance de Dieu. Comprenez, en réalité, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, pour cela, ils étaient étonnés. En face du miracle incomparable et puissant de Christ. Premier point donc, la réponse étonnante à son ministère incomparable. Deuxième point, la responsabilité assignée des messagers, ses apôtres, ses disciples. Ils étaient les messagers du Maître. Ils étaient les messagers de Christ.
et il les a établis et il leur a donné la responsabilité. Et ils devaient donc suivre cette responsabilité assignée. Deuxième point, la responsabilité assignée des messagers assignés. Troisième point, les détracteurs endurcis rejetant le message du Messie. Il y a d'autres qui étaient endurcis. Même s'ils ont vu la démonstration de la puissance, ils ont vu la délégation de la puissance, cependant, ils étaient endurcis dans leur rejet du message venant de ces apôtres et venant du Messie. Revenons au premier point, la réponse étonnante à son ministère incomparable. Voyons Marc au chapitre 6, lisons à partir de les versets 1 et 2. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, surpris et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? » Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Cela, c'est cette surprise que nous voyons dans différents endroits des évangiles. Voyons au Matthieu, en Matthieu 13. Matthieu 13, Matthieu, chapitre 13. Verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Vous voyez, et ces miracles puissants. Ils étaient surpris qu'il avait une telle puissance, qu'il avait une telle autorité, et qu'il avait une telle démonstration de puissante délivrance venant de son ministère en Luc. Chapitre 4, les versets 31 et 32, exprimant toujours la surprise du peuple à cause de son puissant ministère, de ses puissantes œuvres. En Luc 4, verset 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Est-ce que vous remarquez, son enseignement précède, vient toujours avant les miracles, la guérison et les délivrances. Verset 32. On était frappé de sa doctrine. Ils étaient surpris. Pourquoi étaient-ils surpris? Ils étaient surpris à son enseignement, à sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il parlait avec puissance. Pour ceux qui écoutent Christ, avec la bonne attitude, pour ceux qui écoutent Christ, avec la condition appropriée du cœur, son enseignement apporte la transformation. Son enseignement vient avec puissance. Sa doctrine les conduit au discipulat et son message produit les miracles de salut, les miracles de guérison, les miracles de délivrance, miracles de pureté et de puissance. Je prie qu'aujourd'hui, l'enseignement de sa parole produise les mêmes effets pratiques positifs dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Si cela doit être ainsi, voyons l'attitude que nous devrions avoir. Et voyez la disposition que nous devrions avoir en Actes chapitre 17. Verset 11. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques.
ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça, c'est le secret. Recevoir la parole, recevoir la doctrine, recevoir l'enseignement avec tout empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Par conséquent, plusieurs d'entre eux crurent, et comme ils ont cru, ils étaient sauvés. Et comme ils ont cru, ils étaient guéris. Comme ils ont cru, ils étaient délivrés. Comme ils ont cru, la parole à laquelle ils avaient cru a agi puissamment dans leur vie. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Revenons à Marc, au chapitre 6. En Marc chapitre 6, lisons à partir des versets 3 et 4. Marc 6, les versets 3 et 4. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ils connaissaient trop de son côté naturel qu'ils ont raté le surnaturel. Ils connaissaient trop de l'histoire et ils ont raté sa guérison. Ils connaissaient trop au sujet de sa famille naturelle et ils ont raté la communion spirituelle. La question était, comment cet homme fait-il ces choses? Comment est-ce qu'il a pu manifester une telle puissance? Comment a-t-il pu avoir une telle démonstration et une telle grande majesté? N'est-ce pas le charpentier, le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Est-ce qu'on ne connaît pas ses frères Jacques, Joseph, Jude et Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et pour cela, à cause de cette concentration sur les choses terrestres, les choses naturelles, les choses physiques, ils ont raté la gloire et ils ont raté la démonstration de la puissance dans leur vie. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Quand un prophète va au-delà de sa communauté locale, il a d'honneur. Quand un prophète va au-delà des gens qui sont hors de son environnement, il a d'honneur. Quand un prophète va au-delà de son petit cercle, il a beaucoup d'honneur. Quand un prophète va au-delà de son village, de sa ville, il a beaucoup d'honneur. Mais lorsqu'il demeure dans son village local, lorsqu'il reste dans sa ville locale, lorsqu'il reste dans sa communauté locale, à cause des histoires qu'ils peuvent raconter, nous le connaissons. Nous connaissons son arrière-plan. Nous connaissons qu'il a été formé comme charpentier. Et nous connaissons le nom de sa mère. Nous connaissons le nom de ses frères et sœurs. Cet honneur est perdu, mais c'est à leur propre perte. Parce qu'ils ont perdu la manifestation et ils ont raté la démonstration de sa puissance. Voyons le verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. S'il va au bon endroit, il aura une démonstration glorieuse. S'il va vers des gens qui sont dans le besoin et ceux qui cherchent le secours d'en haut, et qu'il cherche la puissance de Dieu d'en haut, alors il aura la démonstration appropriée dans sa patrie, et parmi ses parents, et dans sa maison. Ceux qui sont préoccupés par les choses naturelles, par les choses extérieures, par la forme extérieure, et par les membres de la famille, ils deviennent les perdants. Il y a des situations aujourd'hui, quand vous connaissez un prédicateur
vous connaissez votre pasteur local, vous connaissez votre responsable local, régional, pasteur d'État ou bien pasteur national. Vous êtes si proche de sa famille, vous connaissez ses enfants, vous connaissez son épouse, et vous connaissez ceux-là qui l'entourent, et même vous connaissez son village, et vous connaissez tout ce qui l'entoure. Cette connaissance peut vous amener à rater le surnaturel. Ils ont perdu l'éternel. Ils ont raté le surnaturel. Ils ont perdu les grandes œuvres et les prodiges du salut. Tout ce qu'ils ont raté, ils ont raté les prodiges de la guérison, ils ont raté les prodiges de la délivrance. Au-delà de ça, ils ont raté les prodiges du ciel. Ils ont perdu leur chance d'être sauvés. Ils ont perdu leur chance d'être guéris. Ils ont perdu leur chance d'aller au ciel. Parce que l'histoire les a empêchés d'aller au ciel. La connaissance de l'histoire les a empêchés d'expérimenter le ciel. Voyons Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe. Chapitre 53, prophétisant aux cieux de Christ, celui qui doit venir. Voici ce que Ésaïe déclare avant même qu'il ne vienne. Ésaïe chapitre 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ce qui leur est arrivé. Ils n'ont vu aucune beauté en lui, aucune gloire en lui. Ils n'ont vu aucune majesté en lui. Ils étaient même surpris. Comment se fait-il que cela se passe dans son ministère? Avec son arrière-plan familial, avec ses frères que nous connaissons, avec ses sœurs que nous connaissons, et avec tout le petit village et les informations que nous avons de son village, comment cela se passe? Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cela était accompli sur eux. Je prie que les prophéties négatives ne s'accomplissent pas dans ta vie au nom de Jésus. Jean, chapitre 7. En Jean, chapitre 7, lisons à partir du verset 15. Jean, chapitre 7. Le verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Nous avons fait nos recherches et nous avons vu que l'homme n'est même pas allé à l'école régulière, l'école du Sanhédrin, des pharisiens. Il n'est jamais allé là-bas. Cependant, il vient et il démontre une telle puissance. Vous savez ce que le Seigneur leur disait, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne regardez pas aux choses extérieures selon l'apparence extérieure, mais regardez aux choses selon l'apparence spirituelle. En 2 Corinthiens 10, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Vous regardez à l'apparence, vous regardez à la hauteur naturelle. Est-ce que vous regardez la posture naturelle? Est-ce que vous regardez le physique? Est-ce que vous regardez à l'arrière-plan de la famille? Est-ce que vous regardez au fait qu'il était charpentier? Est-ce que vous regardez au fait à ce qu'il était avant d'être révélé à la nation comme le Messie? Vous regardez à l'apparence. Chapitre
Deuxième Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles. C'est comme ça nous profitons. C'est comme ça la manifestation de sa puissance et son puissant ministère, son ministère incomparable sera notre profit. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Revenons à Marc, chapitre 6. Et nous lisons maintenant à partir des versets 5 et 6. Marc, chapitre 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Il avait fait quelques-uns. Il n'a pas pu continuer la démonstration de la puissance. C'est eux qui étaient les perdants. Ils sont restés malades. C'était eux les perdants. Plusieurs sont morts prématurément. C'est eux qui ont été les perdants. Plusieurs parmi eux n'étaient pas convertis parce qu'ils ne le regardaient pas comme étant sauveur. Ils le regardaient comme étant le charpentier. Ils le regardaient comme étant le fils de Marie. Ils le regardaient comme juste un homme normal, un homme du village naturel. Pour cela, il n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est ceux qui sont venus. C'était ceux-là qui ont mis de côté toutes les rumeurs qu'ils entendaient en ville. C'était ceux-là qui ont mis de côté toutes les choses dont on parlait en ville et qui sont venus à lui. Et il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Parce qu'ils connaissaient trop d'histoires. Ils ont perdu le ciel. Il s'étonnait de leur incrédulité, de leur connaissance à son sujet. Alors, leur incrédulité les a conduits à perdre beaucoup de choses. Leurs connaissances ont produit l'incrédulité et l'enfer. En Jean chapitre 9, verset 30. Jean chapitre 9, verset 30. Cet homme leur répondit : il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. L'homme aveugle dont les yeux ont été ouverts, il dit : je me suis surpris, je suis étonné que vous, officiers de la synagogue, et vous, pharisiens, et vous, docteurs de la loi, vous dites que vous ne connaissez pas cet homme. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est une chose étonnante. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Vous ne serez pas un incroyant. Il va ouvrir vos yeux de compréhension. Voyons Romains au chapitre 3. Romains 3, verset 3. Romains 3, 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Quelle est la réponse? Loin de là. Ils n'ont pas cru. Il est resté le sauveur. Ils n'ont pas cru. Mais il est toujours notre guérisseur. Ils n'ont pas cru. Il est toujours le libérateur. Ils n'ont pas cru. Mais il est le rédempteur. Ils n'ont rien ôté de Christ. Alors, si certains n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Dieu sera vrai dans ta vie. Pour tout homme menteur, comme il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on
te juge. Romains 11. En Romains 11, lisons le verset 20. En Romains chapitre 11, verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. À cause d'incrédulité, elles ont été retranchées. À cause de l'incrédulité, elles ont été rechassées. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, ceux qui sont demeurés dans l'incrédulité et qui sont tombés à cause de l'incrédulité, sévérité du jugement de Dieu, mais envers toi bonté, si envers et de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Tu ne seras pas retranché au nom de Jésus. Nous venons maintenant en Hébreux au chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Lisons à partir du verset 12. Le danger de l'incrédulité. La destruction de l'incrédulité. Hébreux 3. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Avant de connaître les prédicateurs, vous avez la parole, vous êtes sauvés. Vous avez considéré la parole, vous ne connaissez pas son village, son arrière-plan, sa communauté, son histoire. Tout ce que vous avez entendu, c'était la parole. Et parce que vous ne pensiez pas à l'homme ou à la femme, vous avez cru et vous avez été sauvé. C'est comme ça que vous avez la guérison aussi. Vous regardez la parole, vous dites c'est vrai, je crois cela, j'accepte cela. Et vous ne regardez pas l'homme, ne regardez pas la femme pour être guéri. Et c'est comme ça que vous êtes délivré. C'est comme ça que vous êtes sanctifié. C'est comme ça que vous êtes bâti dans le Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas familier au prédicateur, quand vous n'êtes pas familier au prophète, quand vous n'êtes pas familier au pasteur, vous tirez profit de la parole. Mais quand la familiarité rentre dedans, la parole ne trouve plus de la foi dans le cœur. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je prie que la parole détruise la foi dans ton cœur au nom de Jésus. Un bon amen de l'Église. Deuxième point maintenant, la responsabilité assignée au messager du Messie. La responsabilité assignée des messagers du Messie. Marc 6, lisons à partir du verset 7. Il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux. Il leur donna le pouvoir alors il appela verset 7 les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Verset 8. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Verset 9. De chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit,
Dans quelque maison que vous rentriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et verset 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Et il les guérissait. Donnez-moi un grand amen. Quand nous considérons les passages que nous venons de lire, vous voyez trois éléments, leur responsabilité, dans leur devoir. Et cette même responsabilité, comme nous sortons, que ce soit aujourd'hui ou demain, ou n'importe quel autre jour, comme nous sortons et nous prêchons la parole de Dieu, ces mêmes responsabilités nous sont données. Premièrement, prêcher la repentance. Prêcher la repentance. Deuxièmement, guérir les malades. Il a donné le pouvoir de guérir les malades. Troisième élément, chasser les démons. Il leur donna pouvoir sur les esprits impurs. Premier élément, prêcher la repentance. Deuxièmement, guérir les malades. Troisièmement, chasser les démons. Premier élément, dans le deuxième point, prêcher la repentance pour secourir les périssants. Prêcher la repentance pour secourir ceux qui périssent. Voilà pourquoi nous prêchons la repentance. Ce n'est pas seulement pour parler. Ce n'est pas seulement pour citer la Bible. Ce n'est pas seulement pour montrer aux gens qui sont pécheurs. Les pécheurs périssent et nous devons les secourir. Et c'est en leur prêchant la repentance, quand ils l'entendent, qu'ils se repentent et ils ne périront point au nom de Jésus. Voyons le verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils prêchèrent la repentance. Pourquoi doivent-ils se repentir? Parce que s'ils ne se repentent pas, ils vont périr. En Luc, au chapitre 13, lisons à part du verset 3. Luc 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyons Luc chapitre 24. En Luc 24, verset 45. Luc 24, 45. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Voyons le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés, au pluriel, seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans toutes les nations, toutes les villes, en tout temps, partout il y a les hommes qui doivent être sauvés, la repentance doit être prêchée. Acte 3, verset 19 et verset 26. Acte des Apôtres, chapitre 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Les péchés ne seront pas effacés s'ils ne se repentent pas. C'est pourquoi nous prêchons la repentance. Si les péchés ne sont pas effacés, ça va demeurer dans les registres de Dieu jusqu'à leur mort.
C'est pourquoi nous prêchons la repentance. Si les péchés ne sont pas effacés et ils meurent, ils iront pour répondre de ces péchés car ils seront dans l'au-delà. En répondant de ces péchés, ils souffriront le châtiment éternel comme résultat des péchés qui n'ont pas été effacés. Voilà pourquoi nous prêchons pour qu'ils se repentent. Et c'est quoi, toi-même tu dois te repentir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Après la repentance, il y aura la purification, il y aura le rafraîchissement, il y aura le pardon, il y aura la libération, il y aura le salut. Verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, quelle la bénédiction en détournant chacun de vous de ses iniquités. Détournant chacun de vous de ses iniquités. Actes chapitre 17. Lisons à partir du verset 30. Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes de chaque communauté, tous les hommes dans chaque ville, tous les hommes dans chaque nation, comme nous allons vers eux, il ordonne, annonce à tous de se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Deuxième Pierre. Chapitre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. La promesse que Christ reviendra encore. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Il attend que tu te repentes. La promesse que lorsqu'il viendra, l'Église sera enlevée. Pourquoi ce n'est-il pas encore venu ôter l'Église? Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce que c'est là où se trouve le salut de l'humanité. C'est là où se trouve le salut des pécheurs. C'est en cela que se trouve la paix que nous avons avec Dieu. Les hommes doivent se repentir. Ézéchiel, chapitre 18. Lisons le verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est ce que la repentance veut dire. Détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité... Ne vous repentez pas. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Si vous ne vous repentez pas, l'iniquité va vous ruiner. Ceux qui, vers qui nous allons, s'ils ne se repentent pas, le péché, l'iniquité, la transgression, va les ruiner. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles toutes choses, secrètes ou publiques, privées ou ouvertes, communes ou pas communes, toute forme d'iniquité. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau
et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Revenons à Marc, au chapitre 6, le devoir, la responsabilité que le maître a donné à ses messagers, prêcher la repentance pour secourir ceux qui périssent. Deuxième élément, guérir les malades pour sauver l'âme. Guérir les malades pour sauver l'âme. Plusieurs ne comprennent pas le but de la guérison ou du ministère de guérison. Le ministère de la guérison est un moyen pour atteindre l'âme. Le ministère de la guérison, c'est pour ouvrir l'âme, pour que l'âme reçoive le salut du Seigneur et la nouvelle vie en Christ. Pensez-y, guérir le corps et laisser l'esprit et l'âme dans le péché. C'est sauver quelqu'un de la douleur temporaire et le jeter corps, âme et esprit dans le feu. Quelle est l'utilité alors? Pour le soulager de la douleur, pour ensuite jeter toute sa personnalité en enfer pour toujours. Guérir les malades, c'est pour sauver l'âme. C'est pour le réveiller. Ah, regarde ce que Christ a fait. Regarde la guérison qu'il t'a donnée. Et il a quelque chose de plus grand à te donner. Le salut de ton âme. Est-ce que tu as jamais pensé à cela? Que Christ ne guérissait pas les malades pour leur donner la licence d'aller servir Satan, son ennemi, avec la nouvelle force, avec la nouvelle vigueur et avec une nouvelle force qu'ils avaient. Marc 10, guérissez les malades afin de sauver l'âme. Marc chapitre 10, 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Qu'est-ce qui suit là? Dites la suite, non? Et suivit Jésus dans le chemin. Vous êtes guéri, pas pour ne pas avoir la licence, pour suivre Satan, pour suivre le mal, mais pour suivre Christ. Voyons Luc. Au chapitre 19, nous lisons le verset 10, Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et l'un des moyens d'attirer leur attention, c'est de guérir leur corps. Il les a alertés, il les a réveillés afin que lorsqu'ils étaient guéris, ils vont dire, ah, qui est celui-là? Et ils sauront que c'est le Messie. Alors, ils vont suivre le Seigneur. Guérissez les malades pour sauver l'âme. En Jean, chapitre 4. En Jean, chapitre 4. Lisons à partir du verset 50. Jean 4, verset 50. Jésus, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit.
il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux. Et ils lui dirent, hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Verset 53. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui, et toute sa maison. Lui a cru, et toute sa maison. L'objectif de la guérison était pour les attirer à Christ pour le salut. Tu es guéri de la maladie afin que tu sois sauvé du péché. Jean 5, verset 14. En Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Voici, tu as été guéri. La maladie, l'impotence et la paralysie de 38 ans ont été ôtées. Voici, tu as été guéri. Voyez ceci, ne pêche plus. Le salut doit suivre. Jésus n'est pas intéressé à guérir le corps seulement. Et l'âme est laissée dans le péché continuel pour aller en enfer. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Acte 9. Lisons le verset 32. Acte des Apôtres, chapitre 9. Lisons à partir du verset 32. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Verset 34. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Amen. Aussitôt il se leva. Voyez ce qui a suivi. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. C'est l'objectif, c'est le but. Guérir les malades et ainsi pour atteindre leurs âmes et sauver les âmes. La troisième responsabilité, prêcher la repentance pour secourir ceux qui périssent. Deuxième responsabilité, guérir les malades, mais ne les laisser pas seulement avec la guérison, sauver l'âme. Responsabilité numéro 3 maintenant, chasser les esprits pour convertir le pécheur. Chasser les esprits pour convertir le pécheur. Revenons en Marc au chapitre 6, verset 7. Marc 6, verset 7. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons. Mais pensez à ceci. Comment pouvons-nous chasser les esprits impurs d'un homme, d'une femme, et le laisser ou la laisser sous le contrôle de Satan pour continuer dans le péché et dans l'impureté? Ce ne serait pas un travail complet. Comment
sera, comment cela sera profitable pour un ministre qui dit qu'il a un ministère de délivrance, il chasse les démons, il chasse les démons et il laisse les gens condamnés à l'impureté et à l'enfer. Chapitre 5, le but de chasser les démons, c'est pour que ces démons n'aient plus de pouvoir, d'autorité, d'influence sur eux, pour qu'ils soient sauvés. Marc 5, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Il a été changé, transformé. Il était dans son bon sens. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. A plaidé de rester avec lui. Il voulait continuer avec le Seigneur. Quand vous chassez les esprits impurs, les mauvais esprits de la vie de quelqu'un, ne vous en allez pas, ne le laissez pas là, pour qu'il retourne dans la vie d'impureté, dans le caractère impur, dans le comportement impur, pour périr. Non. Quel en est le profit? Pour lui donner délivrance temporelle, pour qu'il passe l'éternité avec le diable et avec les esprits impurs en enfer. En Actes chapitre 19, les versets 18. Actes 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et si le démon sort de quelqu'un, et vous ne le conduisez pas au salut, si vous avez la puissance, l'onction de chasser les démons par-ci par-là, chasser les démons par-ci par-là, mais Jésus ne vit pas dans le cœur de ces gens. Qu'est-ce qui va leur arriver après? En Luc chapitre 11. Luc 11, verset 24. Luc 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Si tu chasses le démon et tu ne lui donnes pas Jésus, il n'a pas la parole de Dieu et ils n'ont pas l'amour de Dieu et ils n'ont pas un cœur changé en eux, le mauvais esprit dira, « Ah, voici les paroles de Jésus. » Le mauvais esprit cherchera un lieu de repos et quand il n'en trouve pas, il dira, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, vide. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Parce que celui qui a chassé le démon n'a pas achevé le travail pour conduire cet homme à Christ, pour qu'il ait Christ dans son cœur. Le cœur était vide. Il retourne dans l'impureté et la dernière condition de cet homme est pire que la première. En 2 Pierre au chapitre 2, verset 20. En 2 Pierre 2, verset 20.
En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Le mauvais esprit était sorti, mais ils n'ont pas la puissance pour vaincre la tentation, pour vaincre le péché, pour vaincre les habitudes impures, pour vaincre le mal. Et il est encore emballé. Ils s'y engagent de nouveau et ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Est pire que la première. Et ça ne sera pas ton sort. Ce ne sera pas mon sort. J'ai dit, ce ne sera pas mon sort. Et ce ne sera pas ton sort au nom de Jésus. Ce ne sera pas le sort de tes convertis au nom de Jésus. Prêche la repentance pour secourir ceux qui périssent, guéris les malades, pour sauver l'âme, chasse les esprits pour convertir le pécheur. Troisième point maintenant, les détracteurs endurcis rejetant le message du Messie. Les détracteurs endurcis rejetant le message du Messie. Revenons à Marc, au chapitre 6, le verset 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Je vous le dis en vérité, il sera tolérable pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville. Ça veut dire quoi? Les détracteurs endurcis, ceux qui rejettent le message des disciples, qui rejettent le message des apôtres, que le Messie leur avait donné. Ils disent non, nous ne voulons pas le salut. Non, nous sommes satisfaits avec la religion. Non, la tradition est suffisante. Et de façon endurcie, ils rejettent le message du Messie. Secouez la poussière de vos pieds. Premièrement, secouez la poussière comme symbole. Secouez la poussière comme symbole. La poussière de leur ville. Qui sont sous vos pieds. Secouez cela. Comme symbole. Du temps à venir. Quand ils seront secoués. Comme le monde est secoué. Dans le jugement. Ésaïe. Au chapitre 13. Lisons le verset 13. Ésaïe. 13. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Secouez la poussière de la ville sous vos pieds pour le rappeler. Que le moment viendra et toute la terre qui est endurcie en rejetant la parole de Dieu sera secouée, ébranlée de la miséricorde de Dieu et ils périront. Secouez leur poussière comme cymbale pour leur montrer que le moment viendra, ils seront secoués. Hébreux au chapitre 12, verset 25. Hébreux 12, verset 25. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, dont la voix... Et lui dont la voix
Alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Cette poussière a secoué de leurs pieds pour leur rappeler qu'un moment viendra où il y aura les... ils seront ébranlés et toute la terre et les pécheurs qui s'y trouvent seront ébranlés. Verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Apocalypse 6, verset 13. Apocalypse 6, verset 13. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Secouer la poussière pour leur rappeler de façon symbolique qu'un moment où les choses seront ébranlées. Je prie que tu ne sois pas là en ce moment. Revenons à Marc au chapitre 6, verset 11. Et quiconque ne vous recevra pas ou ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront moins traités que cette ville. C'était pour leur montrer que leur souffrance sera plus grande que celle de Sodome. Ceux qui rejettent la parole de repentance, ceux qui rejettent la possibilité, la promesse du salut, ceux qui rejettent le message de la miséricorde venant du Messie par ses apôtres, leur souffrance dans l'éternité sera plus grande que celle de Sodome. Voyons Matthieu au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Nous lisons le verset 23. Matthieu 11, verset 23. Verset 11, 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Parce qu'ils ne sont pas repentis, c'est ce qu'il leur a dit. Ils ont vu les grandes œuvres, mais cependant, ils ne sont pas repentis. Il dit qu'ils seront traités moins rigoureusement, plus terriblement que Sodome et Gomorre. 2 Pierre, en 2 Pierre chapitre 3, lisons le verset 7. 2 Pierre chapitre 3, lisons à partir du verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
les hommes impies qui rejettent le message du salut réservé pour le feu. Je prie que tu ne fasses pas partie d'eux. En Jude, verset 7. Jude, verset 7. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Quelqu'un venu, mais leur fornication était plus importante que le salut. Et courir derrière la sodomie, homme entre homme, femme entre femme, l'esthébianisme. Et cela était plus. Leur procurait plus de plaisir que l'homme du salut. On dit, comme ils se livrent à ces choses, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Feu éternel. Je ne serai pas là. Dieu dit, tu ne seras pas là au nom de Jésus. Hébreu, je lis le chapitre 10, en Hébreu 10, verset 26. Hébreu 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais les disciples étaient sortis, et ils avaient prêché à ces gens-là, mais ils étaient endurcis, et ils ont rejeté la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, secouez la poussière de vos pieds de leur ville, pour leur montrer que le moment d'ébranlement viendra, ils n'échapperont pas, pour leur montrer que leur jugement sera plus terrible que celui de Sodome et de Gomorre. Ils pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Maintenant le verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Comme nous venons à la conclusion, revenons à Marc 6, verset 11. Marc 6, 11. Quiconque ne vous recevra pas ou ne vous écoutera pas, quand vous partirez, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement que cette ville. Tu ne vas pas rejeter la parole de Dieu. Tu sortiras du milieu de Sodome. Tu sortiras du milieu de Gomorre. Et ces gens qui jouissent de leur péché, tu sortiras du milieu d'eux au nom de Jésus. Le salut est à toi. La sanctification est à toi. Le salut et la sanctification nous séparent de Sodome. Le salut, la sanctification nous séparent de Sodome. En 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Ne rejetez pas le message. Repentez-vous. Repentez-vous. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous sauve. Après ce salut, qu'il vous sanctifie. Qu'il purifie-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous n'allez pas périr.
Apocalypse 18. Apocalypse 18. Lisons à partir du verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ne restez pas endurcis, ne restez pas dans le péché, sortez de ce mal que vous commettiez. Alors le jugement de Dieu vous passera par-dessus vous au nom de Jésus. Il nous dit en 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. S'éloigne de l'iniquité. Si, verset 21, si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Échappe. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur va vous préserver du péché. Le Seigneur va vous préserver du péché. Vous n'allez pas périr. Je ne vais pas périr. Amen. Vous n'allez pas périr au nom de Jésus. 1 Pierre au chapitre 4, verset 17. En 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Vous n'allez pas rester pécheur, vous n'allez pas rester impie. Votre nom est dans le livre de vie et ne sera point ôté du livre de vie au nom de Jésus. Le Seigneur vous préservera. Il vous préservera dans la justice. Il vous préservera debout. Il vous préservera fidèle. Et quand la trompette sonnera, vous serez là au ciel au nom de Jésus. Jude, chapitre, un seul chapitre, verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est votre part, la vie éternelle. La vie éternelle. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. La gloire de Dieu sera dans votre vie. Le salut du Seigneur sera dans votre vie. Christ a la puissance, il a démontré la puissance et il délègue cette puissance à chacun de vous. Vous ne serez plus un incroyant. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et comme tu crois la promesse de Dieu, comme tu crois la puissance de Dieu, cette puissance déléguée dans ta vie, elle agira puissamment au nom de Jésus. Tu crois la promesse du salut, le salut vient. Tu crois la promesse de la sanctification vient.
Tu crois à la promesse du pouvoir délégué, de l'autorité déléguée, cette puissance déléguée viendra. Tu crois que comme tu sors, le Seigneur agira, il va agir avec toi. Et tu conduiras plusieurs pécheurs à la repentance, tout secourir les perdus. Tu conduiras les malades à la guérison, afin que leur âme soit sauvée. Et partout, il y a des mauvais esprits, des esprits impurs. La puissance est dans ta bouche. Tu parleras et ils seront chassés au nom de Jésus. Lève-toi maintenant et prie le Seigneur. Porte tout à Dieu dans la prière. Christ est encore le Sauveur. Comme il était hier, il est aujourd'hui. Comme il est aujourd'hui, il est à tout moment. Son ministère est incomparable. Et il a toujours le ministère incomparable aujourd'hui. Il a une puissance miraculeuse aujourd'hui. Et il les a touchés. Et il les a enseignés. Son enseignement apporte la transformation. Ce que tu as entendu, c'est son enseignement. Et cet enseignement apportera la transformation dans ta vie. Sa doctrine apporte le discipulat. Que la doctrine que tu as entendue ce soir te conduise à être un disciple plus sérieux. Son message a produit les miracles de salut, de vrai salut, de grand salut, miracle de sainteté. C'était son message et c'est ce que son message apporte toujours. Sa parole était avec puissance. Que la puissance de la parole agisse puissamment dans ta vie ce soir. Il t'aime. Et sa parole ne retournera pas à lui sans effet. Ministère incomparable pour le salut. Ministère incomparable pour la sanctification, ministère incomparable, pour la guérison divine, ministère incomparable, pour la délivrance totale, ministère incomparable, pour la transformation de la personnalité. Tu acceptes la parole. Tu crois à la parole. Tu embrasses la parole. Tu as la foi implicite en la parole. Pour agir puissamment en toi. Pour te préparer pour le ciel. Rappelle-toi. Ceux qui regardaient les choses naturelles, les choses physiques, et ils pensaient qu'ils connaissaient Jésus, ils regardaient les choses extérieures, ils connaissaient sa famille locale, son village local, ils pouvaient raconter des histoires, ils pouvaient répandre des rumeurs, ils ont raté. Ne sois pas comme ça. L'histoire qu'il connaissait était inutile. Cela a causé d'incrédulité dans leur vie et les a conduits en enfer au lieu du ciel. Détourne les regards des choses naturelles, physiques, extérieures. Regarde les choses selon le domaine spirituel. Et que la parole surnaturelle agisse puissamment dans ta vie. Et tu sais que Jésus ne sauve pas seulement. Il donne le message du salut pour prêcher aux autres. Tu t'es repenti. Va déclarer la repentance. Tu t'es repenti. Prends ça comme un devoir.
que partout tu iras, tu vas déclarer la parole de repentance pour secourir ceux qui périssent, qui ne meurent point dans le péché. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Est la pensée de Christ. Et ne cherche pas que quelqu'un périsse. Tes voisins, tes amis, tes parents, tes co-ouvriers, et ceux que tu rencontres dans la rue, prêche-leur la repentance. Pour sauver les périssants, prêche-le avec amour, mais prêche-la. Prêche-la avec courage, mais prêche-la. Prêche-la sagement, mais prêche-la. Prêche-la avec persuasion, mais prêche-la. Prêche-la avec conviction, prêche la repentance. Que ceux qui t'entendent ne doutent point du tout. À moins qu'ils ne se repentent, ils périront également. Guérissez les malades pour en faire un temps plein, pour sauver leur âme. Guérissez les malades. Mais ne vous arrêtez pas là. Leurs âmes doivent être sauvées. Chassez les démons. Ne vous arrêtez pas là. Convertissez les pécheurs. Ne soyez pas satisfait du ministère partiel, qui ne sauve aucune âme. La prédication partielle, qui n'apporte pas la repentance. La prière partielle, qui ne conduit pas à la conversion. La délivrance partielle, qui ne les délivre pas des mains des démons, du contrôle de Satan. Prêche-leur la parole. Réveille-la, relève. Détourne-les du péché. Ramène-les au Sauveur. Avertis-les du danger d'être des détracteurs endurcis. Écoutant toujours, mais rejetant. Écoutant toujours, mais ne se repentant pas. Écoutant et ne donnant pas leur vie au Seigneur. Écoutant toujours, mais toujours endurci dans l'impureté. Rappelle-leur. De la poussière secouée des pieds des apôtres, des disciples, symbolisant Dieu qui va ébranler les pécheurs dans le feu de l'enfer. Et quand il maintient ce rejet, il reste endurci à leur attitude impénitentes et souffriront plus que les sodomites en enfer. Mais rappelle, le salut est disponible. Le salut est disponible, le pardon est disponible. La vie éternelle est disponible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Le salut est à vous. La sanctification aussi est à vous. Afin que vous ne souffrez pas
avec les sodomites. Séparez-vous de l'impureté, la pollution, à la pollution du pays. Au nom de Jésus, nous prions. Et les bénéficiaires disent, ceux qui sont enseignables disent, le Seigneur vous donnera plus de force. Il vous donnera plus de compréhension. Il vous donnera plus de révélation. Et la puissance d'aller atteindre les incroyants au dehors pour les amener dans le royaume, le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus. Comme vous sortez à tout moment et prêchez la parole, les pécheurs vont se repentir. Les malades seront guéris. Les démons seront chassés. Et plusieurs convertis viendront à vous dans le royaume, au nom de Jésus. Et Dieu honore la parole de votre, la prédication de votre bouche. Et le Seigneur conduira des gens, et les sortira des ténèbres pour les conduire dans la lumière à travers vous, au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci parce que tu as exposé ta pensée, et ta vérité, et l'évangile à chacun de nous. Nous demandons, Seigneur, tout ce que nous avons entendu portera de fruits dans chaque vie au nom de Jésus. Ta révélation sera indélébile. Ton enseignement sera transformateur. Ta doctrine va délivrer chacun. Et nous prions, Seigneur, que ce soit tout ce que nous avons entendu fasse partie de nos vies au nom de Jésus. Et comme tu as donné à ses premiers disciples, à ses premiers croyants et à ses premiers disciples, tu leur as donné le pouvoir et tu leur as donné la compréhension. Tu leur as donné l'autorité. Fais-le pour chacun de nous ici aujourd'hui au nom de Jésus. La capacité pour prêcher la parole. L'aptitude pour prêcher la parole. La persuasion pour convertir des pécheurs. Donne-leur à tous tes enfants au nom de Jésus. L'autorité du nom de Jésus que tu leur as donnée. Donne à tout ton peuple, pour que, Seigneur, nous écoutons des témoignages, des sorties au nom de Jésus. La puissance sur la langue, puissance dans ta pensée, et le nom de Jésus agira puissamment à travers ta bouche au nom de Jésus. Quand tu tiendras pour parler, Satan va fléchir. Quand tu tiendras pour prêcher, les démons vont trembler, fuir. Quand tu tiendras pour prêcher, toutes les puissances des ténèbres seront détruites au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois l'onction. Reçois l'esprit puissant du Seigneur au nom de Jésus. Tu sortiras. Et tu feras des exploits. Les pécheurs ne vont pas rejeter ton message. Les rétrogrades ne vont pas rejeter ton amour. Et les malades seront guéris à travers toi. La manifestation de puissance. Manifestation d'autorité. Manifestation de l'onction qui brise tous les jougs. À travers ta vie, au nom de Jésus. Et comme tu seras un libérateur, toi aussi, tu es délivré. Comme Dieu va t'utiliser pour guérir les malades, toi aussi, tu es guéri au nom de Jésus. Tu partiras avec victoire partout où tu iras. Le triomphe partout où tu iras. Et le Seigneur va ériger une muraille de feu autour de toi. Rien de mauvais, rien d'impur ne pénétrera dans ta vie au nom de Jésus. Comme tu vas,
Sois plus qu'un vainqueur. Parle plus qu'un vainqueur. Réalise plus qu'un vainqueur. Et que le ministère, un ministère puissant de Christ, agisse à travers chacun de nous au nom de Jésus. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je suis revêtu de puissance, gloire à Dieu. Que Dieu le confirme dans ta vie. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.